Salut les Gaspards et les Gasparettes, et bienvenue sur votre chaîne Rorofan de Rétro pour cette petite vidéo vlog sur la Chibi 2023 qui s'est déroulée le week-end du 9 et 10 septembre. Bah, j'étais sur le stand de Cyril 2.0, donc je vous ai fait une petite vidéo pour vous montrer la Chibi 2023, qui était une très belle convention. Malheureusement, j'ai pu être là que le samedi. Bon, j'étais aussi là le vendredi pour installer le stand avec Cyril 2.0. Donc, on a passé quand même un super week-end, plus court pour moi, mais... je vous montre tout ça après le générique. Ah, c'est trop tard, j'ai pas vu. Ah ouais, toi. Le plus grand, allez, orange.
Ça va, Jasmine? Ça va? Ouais. Attends demain. J'ai pas fait exprès. Thank you.
Un coucou quand même. Et moi je dis non. C'est l'objectif, tu vois. C'est sûr que bah, quand on est placard ou acheté, c'est le but, c'est de faire du concours. Ah, là, c'est plus pour du cosplay chouquet, on dirait pas. Ouais, non, mais c'est ça. C'est du cosplay chouquet. C'est ça, mais c'est juste que tu vas pas apprendre les techniques. Je voulais quand même. J'ai quelque chose qui dit, il est sur un petit point, il est sur le toast. Chaque action et démarche, chaque truc qui se développe, chaque côté, elle peut être pour renverser les gars, finalement. Et là, côté Mestra, c'est mon idée, c'est dans cette jeune gueule, parce que le reste, souvent, pour empêcher à ces jeunes d'avancer et de s'améliorer, on essaie de mettre cette pression là qui est transparente. Alors nous sommes avec Cyril 2.0, le maître de la PS1. Voilà, ouais. Un des plus grands passionnés de la PS1. Alors l'année dernière, c'était la Chibi 2022. Oui. Et c'était fin octobre. Hein, et tu avais franchi la barre des 10 000 abonnés. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, hein, on avait fêté ensemble en plus. C'était cool.
Et là, tu es à 11 000 quelques. Donc, vraiment, voilà. Là, ça stagne un petit peu parce que forcément, il n'y a plus de vidéos. En quasiment un an, tu as gagné quand même 1 000 abonnés. Ouais, donc, c'est vrai. Enfin, il y a eu la vidéo avec Conquer aussi, ça. Qui a aidé aussi. C'est le but aussi de faire des vidéos avec d'autres youtubeurs. Oui, oui. Mais qu'est-ce que tu penses de cette Chibi 2023? C'est très chaleureux. J'ai plus de voix. On voit la scène derrière nous. Là, il y a c'est calme parce que on est à 5 minutes de la fermeture. Mais c'était dur toute la journée. La scène derrière, à fond la musique. Alors on peut plus. Mais non, c'est génial. Pas la scène, mais l'événement, c'est génial parce que c'est un des plus gros événements de Normandie, si ce n'est le plus gros événement de Normandie. Et c'est cool encore une fois de voir les gens venir jouer, les petits, les grands, tout le monde. Et comme on le disait, voilà, on se décarcasse pour essayer d'avoir un stand sympa. Et ça fait plaisir, on fait pas ça pour rien. C'est ça. Ça c'est cool. Et surtout, moi qui suis fan de la PS1, j'avais des doutes évidemment. De dire, moi j'aime la PS1, mais est-ce que ça va intéresser d'autres personnes de les mettre comme ça sur des bornes? Eh bien oui. Ouais, il y a tout le monde vient jouer, des grands, des petits. Toute génération confondue. Ouais. Et ça fait plaisir. Donc Sony avait raison de son slogan. La PlayStation est là et pour longtemps, je confirme. Ouais, c'est clair. Et du coup, tes projets pour cette fin d'année 2023? Faire des vidéos, là juste après la chibi, j'espère que je ne serai pas trop malade. L'idée c'est de une vidéo cette semaine. Alors quand la tienne sortira, je ne sais pas quand. Je vais la sortir très vite pour que tu tiennes tes engagements. Donc logiquement, j'aimerais faire une vidéo par semaine jusqu'à la fin d'année. Ça ne sera pas forcément des vidéos de dingue, mais c'est aussi moi m'imposer un peu un rythme, sinon je ferai jamais rien. Donc voilà. J'ai des idées, ça sera évidemment sur la PS1, évidemment. Et voilà. Donc c'est un peu ça les projets et d'autres conventions. Où je serai à Marseille au Massilia Geek au mois d'octobre. J'ai plus les dates, mais je renferai un point sur l'agenda. Faut pas hésiter à venir voilà, sur la chaîne. Il y a Cyril 2.0 ou les réseaux. Il y a tout. Facebook, Instagram. Voilà, exactement. T'as aussi ta chaîne Twitter Oui, chaîne Twitch, oui. Twitch, pardon, excuse-moi. On retrouve Roro de temps en temps qui est là, qui me l'a fait commenter. Je passe un petit coucou. Bon, allez, j'y vais, je vais me coucher parce que je suis rincé. Lundi soir, c'est dur. C'est normal. On a tous une vie en dehors. Ouais. Et c'est pas évident d'arriver à combiner tout ça. Et t'as un compte TikTok aussi. Comment? T'as un compte TikTok aussi. Ah oui, bah oui, Cyril PE100 ou Cyril 2.0 si on tape normalement ça. Ça ressort et j'essaye de mettre un peu de contenu. Voilà. Donc on peut espérer te retrouver à la Chibi 2024 l'année prochaine. Avec grand plaisir. Et on me contacte déjà pour d'autres conventions. Donc voilà. Donc ne sous-estimez pas la puissance de Cyril 2.0. Ouais. À bientôt Cyril et puis merci. Et voilà, on termine avec petite interview de Cyril. Qui est arrivé à 11 000 abonnés, donc pour que ça dure et pour que ça continue de monter, n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne Cyril 2.0, le maître de la PS1, et puis pour qu'il nous apprenne encore plus de secrets sur cette console qui est devenue quand même mythique. Puis moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, et surtout n'oubliez pas que collectionner c'est bien, mais jouer c'est encore mieux, et surtout aller en convention, et comme ça on peut se faire plein de copains. Et c'est tellement bien. À plus tard, les Gasparites. Et surtout, prenez soin de vous!